est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Good morning. Le juge président, bonjour à tous. Nous risquons de commencer un peu tard aujourd'hui parce que les gens ont été pris dans des bouchons de circulation, mais nous sommes ici pour commencer la déposition du témoin 513. Avant de commencer, c'est d'ailleurs pour ce que j'ai demandé à ce que le témoin ne soit pas introduit dans le prétoire. Je m'adresse au parti pour vous rappeler qu'aujourd'hui, avec ce témoin, j'aimerais qu'on consacre une journée. On ne parlera pas du contexte global, on parlera de ce jour précis. Questions regarding. Je n'autoriserai pas de questions qui sont en dehors du cadre de ce jour-là. Voilà, je voulais vous prévenir afin que les choses soient bien claires. Crime-based witness. C'est un témoin des faits et elle est ici pour parler de ça et de ça uniquement. Et là, je m'adresse au public, qui se trouve dans la galerie du public. Oui, un instant. Maître Altit. Président, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, bonjour. Pardon de prendre la parole maintenant, mais je voulais vous prévenir. Je souhaite présenter une demande à votre chambre et je voulais savoir si vous préfériez que je le fasse maintenant avant l'arrivée du témoin ou à un autre moment. Yes. Le président, oui, vous pouvez la présenter maintenant. Nous passerons à huis clos un peu plus tard. Très bien, merci Monsieur le Président. C'est une demande rapide. La défense a naturellement pris note de la décision de votre chambre, décision d'hier, acceptant la proposition de l'accusation de changement du calendrier. Et ma demande vise à ce que votre chambre reconsidère le passage d'un témoin, l'un de ces témoins. Ce témoin est le témoin P350. Ce témoin était, jusqu'à la demande de l'accusation qui a été présentée le 11 novembre 2016, ce témoin était prévu pour être entendu à la fin du prochain bloc de témoins, c'est-à-dire les témoins consacrés par l'accusation aux événements du 16 décembre 2010, qui devaient, ces témoins devant venir au début de l'année 2017. Donc, c'était un témoin qui devait passer probablement autour de mars 2017, quelque chose comme ça. La défense est bien consciente de votre décision sur la conduite des débats, qui prévoyait, et je cite, les parties doivent toujours être prêtes à poursuivre la présentation de leur cause en appelant le témoin suivant à la barre, même lorsque la disposition du témoin précédent a pris moins de temps que prévu. C'est tout à fait clair. Fin de citation. C'est tout à fait clair et nous nous conformons, bien entendu, aux instructions de votre chambre. Mais ici, le témoin P350 était prévu dans un laps de temps assez lointain. Il était prévu qu'il vienne dans quelques mois. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous devons naturellement le préparer. C'est un témoin important. Et nous n'avons pas les moyens humains de le préparer. Parce que nous sommes dans la préparation de tous les témoins de ce bloc-ci, naturellement. Et quand il y a un changement,
à l'intérieur d'un bloc, c'est beaucoup moins compliqué pour nous, c'est beaucoup plus faisable. Mais P350, surtout dans un contexte où les audiences sont plus contraignantes, puisque votre chambre a décidé de passer à des sessions journalières de 6 heures, si je ne me trompe. Ce qui nous empêche de faire autre chose. En tout cas, ce qui nous empêche d'avoir le temps nécessaire pour bien préparer, c'est-à-dire analyser dans ses moindres détails la déclaration antérieure, recouper tout ce que dit le témoin avec des déclarations antérieures d'autres témoins, enquêter, vérifier. Tout cela demande du temps. Pour tout cela, nous sommes prêts pour les témoins du bloc actuel. Mais nous avons cherché hier comment faire en utilisant une heure par-ci, deux heures par-là, en prenant telle personne, en changeant un peu l'organisation générale. On a cherché à s'organiser. Et à l'arrivée, très franchement, nous sommes peu nombreux, nous n'avons pas les moyens de l'accusation. Nous ne voyons pas comment nous pouvons sérieusement préparer ce témoin, comme nous le faisons, c'est-à-dire de la manière la plus complète et précise possible, sans que ça ait un impact sur les autres témoins, sur la préparation des autres témoins. Donc, voilà, c'est une question vraiment de moyens et de temps que nous pouvons consacrer à tous les témoins à la fois. Je voudrais simplement, pour essayer d'illustrer un petit peu les choses, rappeler à votre chambre que nous avons vu, du côté de l'accusation, 7 interrogateurs différents. C'est plus facile de s'organiser quand on a 7 interrogateurs, avec les équipes qui vont avec, quand on a préparé les interrogatoires depuis longtemps, depuis des mois, naturellement. Donc voilà, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, la question c'est véritablement, pensons-nous, celle du caractère équitable des débats. Pour que le caractère équitable des débats puisse être préservé, il faut que nous puissions nous préparer. Et pour que nous puissions nous préparer, il faut que nous ayons un minimum de temps en rapport avec la faiblesse de nos moyens. Donc, nous faisons notre possible pour obéir aux instructions de notre chambre. Il n'y a aucun problème sur les... Enfin, il n'y a aucun problème, c'est difficile, mais on s'adapte quand il y a des changements de dernière minute, comme c'est le cas aujourd'hui. On fait tout notre possible. Mon équipe que vous voyez ici passe beaucoup de temps, y compris les week-ends, à travailler. Il y a un moment où il est plus possible d'aller au-delà. C'est pas possible. Humainement parlant, les personnes ont une vie et c'est pas possible. Donc, voilà la raison. Vous me pardonnez de le présenter de cette manière, mais on a, je vous assure, essayé, réfléchi, fait tout ce qu'il était en notre pouvoir de faire pour essayer de nous adapter. Et là, nous avons un vrai problème avec ce témoin P350. D'où ma demande de ce matin pour ne pas entendre P350 dans les deux semaines qui viennent et l'entendre si besoin est au tout début du bloc 2017. Thank you, Maître Altit. Le juge président, je vous remercie, Maître Altit. Je m'adresse maintenant à la défense de M. Blégoudet. Président, la défense de M. Blégoudet s'associe à la demande de M. Altit de l'équipe Gbagbo. Nous n'allons pas répéter les arguments développés par ici, mais vous le constatez vous-même qu'on n'a ni les moyens de l'accusation, ni la nomenclature pour faire face. C'est vrai que la déposition du témoin peut paraître peu volumineux, mais il y a tout ce qui va autour et puis il y a tout ce qui entoure même ces événements du 16 décembre. Et je pense que vous devez en tenir compte. Il peut apparaître que nous ne voulons pas que les choses aillent vite, mais même quand on veut que les choses aillent vite, il faudrait qu'on soit mis dans les conditions pour que les droits des accusés soient respecté, Monsieur le Président. C'est pour cela que, sans me répéter, je dis que nous nous associons aux arguments développés
par l'équipe de M. Gbagbo. Legal representatives. Le juge président, la représentante légale des victimes, Madame Massida. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Je voudrais juste faire part de quelques observations. Nous nous opposons à la requête présentée par l'accusation, par la défense. Rappelons que ce témoin 350 était prévu pour être entendu au début, immédiatement après le P483, c'est-à-dire le témoin qui vient d'achever son témoignage. La défense savait déjà depuis le 3 juin 2016 qu'il témoignerait. Et je fais référence au document 565, annexe A, dans lequel l'ordre portant l'ordonnance portant ordre de comparution des témoins a été proposé par la défense, pardon, par l'accusation. Après le témoin, comme la Chambre le sait, ce témoin a éprouvé des difficultés. Par conséquent, l'accusation a demandé un report de la déposition de ce témoin. Mais la défense était déjà au courant. Elle savait que ce témoin devait témoigner. Deuxièmement, P350 est censé être interrogé par l'accusation pendant 3 heures. Le témoin est pratiquement dans la même situation que le témoin que nous nous apprêtons à entendre aujourd'hui. Elle déposera au sujet d'un thème très précis. Le sujet est limité, c'est un témoin des faits incriminés. Nous nous opposons donc à la requête présentée par la défense pour les deux arguments que nous venons d'avancer. D'abord, la défense sait depuis le 3 juin 2016 qu'il allait témoigner. Et deuxièmement, le témoin déposera au sujet d'un thème très précis. Troisièmement, nous souhaitons rappeler notre présentation relative au témoin P350 que nous avons déposé hier. Nous avons expliqué les raisons pour lesquelles l'ordre de comparution du témoin est justifié, ou le changement de cet ordre est justifié. Je n'évoquerai pas cela en public. Merci, Monsieur le Président. Le Président, c'est moi qui vous remercie. Monsieur le Procureur, Monsieur MacDonald. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Nous nous associons aux observations et à la position présentée par la représentante légale des victimes. Pour l'essentiel, ce témoin viendra déposer au sujet d'une période précise, une période de 3 jours. Mais si la Chambre souhaitait rappeler les mêmes instructions ou donner les mêmes consignes aux parties s'agissant du témoin 513, à ce moment-là, je ne pense pas que la déposition prendra 3 heures. Deuxièmement, la préparation sera beaucoup plus ciblée pour ce qui concerne la défense. Et en conséquence, les contraintes ou le préjudice que la défense allègue en matière de préparation seraient réduits au minimum. Si la Chambre devait envisager de changer l'ordre de comparution de ce témoin, et je m'en remets à vous, si cela relève de votre pouvoir discrétionnaire, il se peut que là nous présentions une position un peu différente de celle de la représentante légale des victimes. Nous exhorterions à ce moment-là la Chambre à ne pas faire venir ce témoin en dernier lieu, mais de la prévoir peut-être au milieu du bloc. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que ce témoin ne devrait pas témoigner en février, pour les raisons évoquées dans nos écritures. Nous avons expliqué pourquoi nous souhaitions changer l'ordre de comparution de ce témoin. Et dans le cadre du rôle de la Chambre, qui est celui de la quête de la vérité, il serait préférable de la placer, vous passerez l'expression, ou d'appeler ce témoin, non pas à la fin du bloc de comparution des témoins, mais au milieu. Je vous remercie. Le Président, je vous remercie. S'agissant de cette requête, la Chambre rendra une décision dans le courant de la journée. En tout cas aujourd'hui ou cette semaine après consultation.
Nous allons donc commencer la déposition du prochain témoin. Il s'agit d'un témoin des faits, incriminé. Par conséquent, la Chambre a rendu sa décision hier. Elle a décidé de l'entendre en audience à huis clos. C'est un témoin des faits. La déposition est très délicate. Là, je m'adresse au public qui se trouve dans la galerie du public. Je vous prie de nous excuser, mais nous allons devoir passer à huis clos. Vu la nature du prochain témoin, je vous prie de nous en excuser. Voilà. Madame le greffier d'audience, nous allons rester à huis clos pour le reste de la journée. Est-ce que nous pouvons passer à huis clos, Madame le greffier d'audience ?